birum baxti limu jaas way bi yoon maître Moussa Diop en tout cas mom mo ci dal di ñew joxe ci li nga xamne mom moy xalaatam ndax du baxti limu jaas daf doon parier ñak la nga xamne mom moy pari bi manam la nga xamne mom la xalaaton ni mom moy am ci doxalin mu dox ci walum politique lolé daf ko dal di moy ndax birum baxti limu jaas mu ñak li nga xamne aussi moy maire bu Dakar politique daf ca laxasom yu demé nonu ma en tout cas lu ci man di am maître Moussa Diop dal dina cey ñew ci jangat bu yaatu ci plateau nga xam moy fofé ci Dakar matin ñu tewlu ko du pouvoir de vouloir enlever Barthélemy Diaz en tant que maire. Ah oui, donc vous pensez que aujourd'hui ñi nek ci nguur gi comme li Barthélemy Diaz y avancé dañ ko bëgg museler génné ko complètement ci sphère politique bi? Non, Diaz, je ne peux pas se faire politique. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. Mais ils vont l'enlever en tant que maire. C'est-à-dire que si l'on n'a que d'une ligne en tant que député, ils vont l'enlever en tant que maire. Maintenant, ça va arriver, ça va pas arriver. De toute façon, il y a des recours qui sont là. Alors, vous, en tant qu'homme politique, n'avez-vous jugé les gens qui ont été nommés pour Diabounoti? Est-ce que ça relève de l'élégance ou les gens qui ont été véritablement mounounagnac? Mandal xamna ni politiquement je ne ferai pas des choses comme ça limay waxu sama waxu dem ak sama jëfu tay mo mësa nek ben motax man il m'est difficile ñi may voir parce que lool lagum nit day am cadeau de demb ngeen and xam pas personnellement ce que la loi dit ngeen jaar fenen parce que les temps ont changé parce que c'est une compétition politique qui s'est passée mais quand bon. Même maître ñu dégëfé ki ku ci melni Barthélemy Diaz xam la ni ba muy jano ak ki di même ndour fay ni en politique ki ku ci melni Ousmane Sonko da kay sul politiquement wala musul ko politiquement on est aussi en politique et comme on dit en politique mom c'est pas l'émotionnel non man nek mu ci combat de gladiateur parce que ñom ñaar yef xam na len parce que vous vous souvenez hein, en 2020 je pense que c'était au mois de novembre ou décembre 2020 ñun ñett yep taxaw nañu à une photo qui a marqué les Sénégalais. Voilà, mais tu regardes aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Mmh. Aujourd'hui, je suis dans la mouvance présidentielle d'Ousmane, même si on sent que les tempéraments font que. Voilà, moi je ne suis pas quelqu'un pour Khamni. D'ailleurs, nous sommes en forêt, non. De là, faire nous pour dénifier Macky Sall. Avec la manière, pour nous avec sa manière. Mmh. Voilà, je pense que le lieu de Fninko, aujourd'hui, Diaz est de l'autre côté, parce que en politique aussi, les erreurs se payent cash. Voilà, il a fait des erreurs sur son compagnonnage avec Macky Sall au dernier virage. Et ça, je pense que le Sénégal doit avoir une bonne. Moi, le président Macky Sall respecte Niar Rakaï. Il n'y a pas besoin de discuter. Encore, Bunko Séné aussi, quelquefois, sur des plateaux, au moment où le Sénégal est en ébullition, Mounek Ferdinand, élection de Am, défait, ça choque. C'est ça. Voilà, il faut te me rappeler aussi les choses sur le plan c'est politique. Ça. C'est ça. Voilà, je ne dis pas certaines choses, Khamni, ils s'échangent comme ça sur la presse, mm-hmm. avec des termes très virulents, Khamni, qui choquent les Sénégalais. Alors, pourquoi mais Dembou c'est une affaire. Allez-y. Les Sénégalais, j'ai entendu, même pas les Sénégalais seulement, mm-hmm. mais des Sénégalais doublés d'être des juristes. Dinan, bon, écoutez, au mois d'octobre, je pense que c'était vers le 11 octobre, le Conseil constitutionnel saisit sur le fait que Ousmane Sonko éligible, Barthélemy éligible ou pas. Mm-hmm. Je pense qu'il y a Takou Wallo qui a fait le recours contre Ousmane. Il y a aussi une coalition autour de ALSR. Je me rappelle autant, on avait évoqué l'article 29. Exactement. Def donc recours contre la candidature de Barthélemy. Mm-hmm. Et le Conseil constitutionnel qui avait rendu une décision, je pense c'était au mois de janvier 2024 contre Ousmane Sonko, il était inéligible, il était coincé. Mm-hmm. Soit me confirme sa jurisprudence, soit me défléne. Mm-hmm. Mais, vous savez, en droit, nit mën génné ci bénn décision, ci bénn cas buñ ko soumettre juge, en utilisant li nga xamné loi moko may, mais le Sénégalais lambda du ko comprendre. D'accord. Moi lam, juge buñ ko joxé dossier, dañ tek xol ndax dossier bi il est compétent, lui, le juge, pour le prononcer. Mais regarde, est-ce que le dossier bien que j'ai, question, est-ce que c'est recevable, l'action, recevabilité. Avant de aller sur le fond du dossier, il faut que je les questions de forme. Donc, si nous avons les questions de forme sur la recevabilité, nous considérons l'article L.O. 184, qui est le code électoral, a été violé. Moi-même. Pour voir nit ki ben candidat il est éligible inéligible il kenn moko meuna demander moy le ministre chargé d'organiser les élections kep kenen ku djok saisir conseil constitutionnel ding koy nane yow tu n'as pas qualité pour agir d'accord motax ñaari coalition yoy djogone
la ALSR ak je pense Takou Wallou croisé contre Sonko, croisé contre Barthélémy Diaz, le Conseil constitutionnel tire son épingle du jeu pour ne pas aller sur le fond du dossier. Mais ah, je considère que les recours sont irrécevables. Seul le ministre chargé des élections peut saisir le Conseil constitutionnel pour dire que tel candidat est éligible ou n'est pas éligible. D'accord. Donc, dos à dos. Mm-hmm. Donc, on n'est pas parti sur l'inéligibilité, on est parti sur la recevabilité. D'accord. Règle le problème. Bon, j'ai entendu récemment de Amnesty International Sénégal, mais comme que le Conseil constitutionnel rendre sa candidature et encore son éligibilité, le peuple m'a décidé par la suite, mais il respecte le peuple. Mais oui, respecte le peuple. Mais pour faire qu'il y ait sur le fond du droit, je pense qu'il est établi que Barthélémy sera déclaré inéligible. Très bien. Sa candidature. Ousmane Sonko, c'est un débat. Parce qu'il y a eu deux dossiers ramenés différents. Voilà. Donc, si l'on s'est interpellé, parce que si sorti qui dit Barthélémy Diaz, il n'est pas le seul à un moment de condamnation définitive. Pour juste une similarité peut-être entre mon et qui a un moment de Ousmane Sonko. C'est son droit. Voilà, on peut le comprendre aussi, il est dans une situation vraiment inconfortable aujourd'hui. Il faut maintenant dire qu'il pousse aujourd'hui à tout le marge de manœuvre. L'autre, il faut le comprendre. Mais le cas de Ousmane Sonko est un peu délicat. Comment? Parce qu'il y a des dossiers là. Ben dossier, ça concerne cette histoire de Hagi Sarr. Ben dossier, ça concerne l'histoire de Pradak. Il y a une décision différente. Pour l'histoire de Hagi Sarr, si vous vous souvenez, il y a des décisions qui étaient rendues, ben, il était inéligible. Bon, il y a des recours qui ont été déposés par le PASTEF auprès d'abord du lieu de vote de Ousmane Sonko, au tribunal d'instance de Ziguinchor. Et le juge Saba Sifay avait pris une décision, mais cette mesure était contre la loi. Donc, avait décidé de réintégrer Ousmane Sonko dans le registre. D'abord, nous sommes au mois d'octobre. Effectivement. 2023. Boboul Amé, l'agent judiciaire de l'État a fait un recours. Boboul a fait un recours, nous renvoyons l'affaire devant la Cour suprême. La Cour suprême devait nous casser la décision Ziguinchor. D'accord. Renvoyons à Dakar devant le juge Thior. Le juge Thior, le 14 décembre. 2024, parce que je n'ai pas fait les commières, parce que je suis en détention provisoire. C'est vrai. Donc on était au tribunal. Jour là, moi j'étais à la cave, donc vous voyez. C'est vrai. Bon, je dirais le dossier au juge Thior. Le juge Thior, lui décide de Casamance, moi je l'ai déloché. Nélène, il faut nous réintégrer Ousmane Sonko qui Kibi. C'est une décision, bon, Khamni, insusceptible d'appel, donc devra être exécutée tout de suite. Voilà. Mais état bagne, déjà bagne. Bagne, nène, d'une coref. Alors que fauf, c'était une illégalité. Malgré ça, je pense, l'État a encore fait un autre recours devant la Cour suprême contre maintenant la décision de Dakar, moi de Thior. Mais le 8 mars 2024, l'agence judiciaire de l'État devait retirer le recours. Bon, on retire le recours, donc c'est la décision de Dakar qui prévaut maintenant. Ce qui veut dire que Ousmane Sonko, dès lors, il a été éligible. Il est devenu éligible à partir du moment où la décision est devenue définitive à la Cour suprême suite au retrait du recours de l'agent judiciaire de l'État. Maître Moussa Diop don ñëwaat ci lu soxal li nga xamé rek mom moy inéligibilité wu Barthélémy Diaz ak it li nga xamni mom moko indil jafé jafé waat add waat ci lu soxal li nga xamni moko dal mu melni amna ñu mu dalat wala amna ku mu dalat ci Assemblée nationale waat ñëwaat ci Barthélémy Diaz en tout cas carte bi nga xamni daf ko doon jouer mu melni dafa dal di échouer ci li nga xamanteni mom mo dox ci digëntém ak ñi nga xamni ñom ñoo nekk ci nguur yi koku maître Moussa Diop mu ko don xamné ci plateau bu Dakar Matin
daldi waxati ci leneen rek ci lu soxal Clé d'Or Seine en tout cas ci mbirum Sénélec la daldi jëw lam ci daldi addu bokku na ci jafé jafé yi nga xamni Sénélec mu ko daldi amé way li nga xamni mom mo laxasu ci bir ba Sénégalais yu bari xamuñu li nga xamni mom la Sénélec di daldi doxé way li nga xamni rek mom moy ay lobby yu mu daldi némé ko ci bir Sénélec ay révélation yu ama am solo yo xamni yakarna bari na ñu xamul won Sénélec li nga xamni mom mo nekk ci bir ba courant bu ser bi nga xamné aussi dal nañ koy néméku lan moko daldi waral lool nak mu ngi ko daldi xamlé ci Sénégal 7 ci plateau bi nga xamné dal nako fay amal Clé d'Or Seine sur l'état en face té état boko woké mu xuri la état bo xamné yonam nekul jow ci say problème boko ci bëggé rendre responsable mais mu mettre le devant tes responsabilités lool c'est pas une bonne stratégie xawma avocat moko xel xawma ay xéritam ñoko xel la ci dess yépp da koy jënd auprès de producteurs indépendants manam 77% yi da koy jënd mu koy diké 451 milliards par an té 150 milliards 200 milliards mën nga ci défar centrale bu 300 mégawatts 250 mégawatts kon loolu du option ngay fay ay producteurs indépendants lo xamné mën nga ci am ñaar ba ñetti centrale at bu né loolu xel nangu wuko lan motax lolu am